Damien, j'adore les œufs pochés. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous donner les super secrets pour réussir à coup sûr les œufs pochés? C'est super simple, tu vas voir. Il faut une eau frémissante, un petit peu bouillante, mais c'est pas la peine que ça ait un très gros bouillon. Des œufs le plus frais possible. S'ils sortent du cul de la poule, ça roule. D'accord? Et du vinaigre blanc. Je vais verser du vinaigre. Le vinaigre, il va aider à la coagulation des protéines du blanc d'œuf. Et surtout, on ne met pas de sel, hein, parce que le sel D'accord. empêche la coagulation. Donc ici, le petit secret, on va le mettre 10 secondes dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 10 secondes. secondes. Et on le casse au milieu, bien proprement. N'en touche à rien. On voit que le blanc d'œuf se met de manière homogène autour du Oui, jaune. parce qu'en fait, si tu veux, le fait, regarde, de le mettre 10 secondes dans l'eau bouillante, ça pré-cuit une toute petite pellicule et on a un œuf qui est super bien formé. D'accord. Et ça va D'accord? déjà répartir le Voilà, blanc voilà. autour du jaune. Voilà. Et donc, D'accord. après, on n'a pas besoin de faire le fameux tourbillon. Il est auto-formé directement. Quel est le temps de cuisson? C'est au minimum 3 minutes, parce que souvent on a tendance à dire ouais, c'est blanc, c'est coagulé, on les sort. Mais D'accord. c'est quand même au minimum 3 minutes pour que le blanc soit bien coagulé, qu'on ait pas de risque de casse À après la qu'on va l'utiliser dans sortie. la salade. Là, on le met dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. Magnifique. Et il est parfait. On les a refroidis parce qu'on veut les utiliser dans une salade. D'accord. Mais si je voulais les utiliser de suite, je les aurais mis sur une petite assiette légèrement huilée. Je les aurais assaisonnés parce que les œufs ne sont pas assaisonnés. Oui. Sel et poivre. Et puis je les glissais encore tièdes dans mon assiette directement. Voilà, super bon. Oh, Là, t'as quelque chose de très moelleux, de super gourmand. C'est tout simple, un œuf poché. Mais c'est délicieux.